travaille du mieux possible la semaine pour obtenir le meilleur résultat face à toutes les équipes. Donc on a bien bossé cette semaine. Déjà dans le championnat, il n'y a pas de match facile. Surtout que cette année, c'est une année très très compliquée avec les 6 descentes. Après, chaque match a son scénario. On va dire que pour l'instant, on a eu des scénarios plus favorables à l'extérieur sur les matchs que tu as pu citer. Encore une fois, on a un bon groupe. C'est toujours plus facile d'arriver dans un groupe où il y a une bonne ambiance, une bonne humeur, où tout va bien. Ça fait que tu t'entraînes plus rapidement et au fil des matchs, on apprend à se connaître et ça va tout seul après. Je pense que de toute façon, ce championnat va être serré jusqu'à la fin. Donc au final, comme on a pu le voir, ça va très vite. Tu gagnes un match, deux matchs, tu te retrouves en haut. Comme tu perds un match, deux matchs, tu te retrouves en bas. Donc c'est bien, hein, c'est pas bien aussi parce que ça te met, bah, ça te garde sous pression. Donc c'est bien. Mais ça fait qu'aussi, ça peut fausser par moments. Pour moi, les résultats peuvent t'amener à te faire croire que tu es dans une crise alors que c'est pas spécialement le cas. En gardant une demi-heure, on regarde devant nous. C'est toujours important de regarder devant nous et pas derrière, derrière soi pour aller titiller les premiers.